Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. Donc, dans cette vidéo, je tenais à féliciter mon frérot Diesel qui vient de passer les 200K. Je vous mets sa chaîne en description. N'hésitez pas à lui mettre des petits commentaires sympathiques, ce serait vraiment énorme, les gars. Je vous en remercie d'avance. Il vient de dépasser les 200K, ça me fait plaisir. Je voulais aussi remercier mon abonné Monster qui nous a fait la traduction en abonné québécois. Donc, tous mes Québécois, vous voyez. On est ensemble, les Français, les Québécois. Moi, je kiffe le Québec. Donc voilà, on remercie mon abonné Monster qui m'a fait la traduction du patch note qui vient de sortir à propos du glitch de la Goliath. Et pas que, il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées par Turn10, par Playground Games, pardon. Alors, je remercie Diesel qui m'a notifié dans ce, comment dire, dans ce post sur Twitter qui annonçait les patchs. Donc je le remercie pour ça aussi. Voilà, donc sur ce les gars, on remercie surtout l'abonné Monster, je mets sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc les gars, on va commencer direct. Donc alors, qu'est-ce qui a été patché? Donc, ils ont dit, ils disent en gros dans le patch note, qu'ils travaillent constamment pour améliorer l'expérience du jeu Forza Horizon 4. Donc en gros, voilà, c'est pour améliorer l'expérience, pour pas que ce soit chiant et que, voilà, y ait trop de modeurs ou des trucs comme ça. Pour notre plaisir. Donc ils ont amélioré un peu sur toutes les plateformes en fait. Donc je vais commencer par le cross-platform. Donc pour le cross-platform déjà, ils ont patché le glitch de la Goliath, donc le glitch que je vous ai montré qui a fait 3000 vues là en 48 heures. Le glitch où j'ai aidé pas mal de gens à faire pour débloquer la Goliath, etc. Il a été patché, on pourra plus le faire. On a essayé avec mon pote. De le faire pour les courses de cross-country, on était en train d'essayer d'y faire pour le cross-country, pardon. Ça a été patché aussi, donc pour toutes les autres courses, ça marchera plus. Donc les rails, ce glitch, il a été patché. Ça sert à rien d'essayer de le refaire. De toute façon, une fois que vous avez la mage, c'est plus possible de le faire. Mon pote, il a eu la mage et on a essayé, il a plus pu le faire en fait. Donc voilà, ça marchera plus. Mais par contre, il y a d'autres choses qui ont été patch, ce qui est plutôt pas mal. Donc patch des Super Louis Spin en illimité, le glitch là que vous avez vu avec le VIP a été patché aussi en même temps. Ils sont vraiment énervés. Pour l'instant, mon pote qui a fait la mage là, qui a fait le glitch, il n'a pas été buggé, il n'a pas été banni non plus. Il n'y a pas eu de bug ni rien pour l'instant, ni de ban. Donc ça reste à voir, mais il me semble qu'ils ont banni personne. Ça c'est plutôt cool. Donc les autres patchs, alors ils ont fait une mise à jour pour les pros AMD. Pour les pros qui sont requis sur PC au niveau des configs, ils ont réglé le problème concernant les GPU aussi sur PC. Donc moi je sais pas, je joue pas sur PC. Ils ont corrigé les crashs aussi des GPU après l'affichage du logo au démarrage du jeu Forza Horizon 4. Ils ont corrigé certaines pièces de voiture transparentes avec les pros AMD. Putain, mais AMD, il y a que des problèmes avec AMD. Pourquoi j'ai acheté AMD moi aussi? Ajout de l'auto-détection 4K avec un moniteur 4K, donc avec un écran 4K, ça c'est plutôt cool parce qu'apparemment avant c'était pas possible. Correction de l'accélérateur du volant Thrustmaster T150 qui ne marchait pas avec certaines configs, donc ça c'est plutôt cool. Ils ont corrigé un bug qui était lié avec un volant Thrustmaster. Ils ont corrigé, alors ils ont mis l'ajout des effets pour la nouvelle carte graphique RTX, donc celle qui vient de sortir de chez Nvidia, la 2080. RTX, TI, je sais plus comment elle s'appelle, 2080 RTX je crois. Correction de la circulation qui n'apparaissait pas après certaines activités. Donc ils ont corrigé un peu les PNJ qui étaient buggés. Correction de chargement infini lors de connexion à des sessions. Donc ça c'est plutôt cool, c'était un peu buggé, on va pas se mentir. Correction des bugs de changement de place lors d'une course. Ça c'était buggé aussi apparemment. Ils ont amélioré améliorer la caméra du jeu qui suit le Unimog parce qu'apparemment c'était buggé ça aussi. Enfin, j'ai pas tout compris, ça c'était buggé apparemment. Je sais pas, je l'ai pas testé ce camion. Ils ont corrigé les bugs qu'il pouvait y avoir dans certaines cinématiques Forzaton. À des moments, apparemment il y avait des bugs, il y a eu des bugs, donc ils y ont corrigé. Et ils ont corrigé aussi les crashs à la fin des événements quand vous gagnez la course, donc pour les prix, les crédits, l'influence. Ça, apparemment, il y avait des crashs à certains moments. Et ça a été patché, ça a été fixé, ça a été corrigé. Donc,
Il y a tout ça qui a été corrigé, les gars. Ça fait quand même pas mal de choses. J'ai vu la liste, honnêtement, j'y croyais pas. Je vous ai quand même mis la liste dans la vidéo. Sinon, c'est en description. Si vous voulez aller voir sur le site officiel, si vous voulez aller voir de vous-même, si vous ne croyez pas que ce que vous entendez, il n'y a pas de souci. Je vous en veux pas, les gars. Vous pourrez aller voir ça sur le site officiel. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Antenne et Playground Games. Donc là, il n'y a rien de plus officiel, les gars. On peut pas faire plus officiel. C'est pas une fake news. Et voilà, donc n'hésitez pas à en parler à vos potes. Comme quoi, ça a été patché. Ça sert à rien de me demander ou de demander est-ce que je peux vous aider pour le glitch. Maintenant, ça sert plus à rien. Je peux plus vous aider. J'essaie d'aider un maximum de personnes concernant ce glitch pour le réaliser. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller checker les chaînes que j'ai mis en description. Ça leur fera plaisir. Surtout Diesel. Et le petit monster qui nous a fait la traduction, on remercie le Québec. Merci les Québécois, vous êtes toujours aussi cool et ça fait plaisir, restez comme vous êtes les gars. Je voulais dire aussi que le RP Taxi va bientôt commencer, mais là faut qu'on mette encore des trucs à jour, etc. Ça va bientôt arriver. Je suis désolé si j'ai un peu bégayé dans cette vidéo, mais je l'ai fait à 2h14 du matin. Donc autant vous dire que je suis un peu fatigué. Et sur ce, n'hésitez pas à partager à tous vos potes comme quoi le Goliath a été patché, mais pas que. Ils ont patché deux glitches en même temps, ils ont patché des correctifs pour le PC, un pour la console et plusieurs pour le cross-platform. Donc sur ce, je vous dis ciao la bise les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, bye bye les gars.